un grand bonjour de l'Alsace pour vous, Jean-Jacques et Maud, et un gros schmutz. Vous l'avez déjà entendu à l'accordéon, vous l'entendrez tout à l'heure au chant. C'est l'ami Charles. Et chers amis, vous l'avez déjà entendu au micro et à la batterie. Je vous présente Jean-Pierre. Merci. Allez, on part tout de suite sur les hautes chaumes vosgiennes avec la danse des marquaires. Alors tout au long de l'après-midi, je vais vous présenter des danses en français, mais également en alsacien. Et là, je compte sur vous, bien sûr, pour me répondre en alsacien avec le célèbre ya-ya. Ça veut dire que vous êtes d'accord, les amis. On fait un petit essai. Thank you.
petit bonnet en velours qui tient dans les cheveux grâce à un peigne. Et autour de ce bonnet, un ruban d'une seule pièce qui mesure 3,30 m. Alors il est important de savoir que lorsque vous vous promenez dans nos beaux petits villages alsaciens et que vous voyez au loin une Alsacienne qui porte une coiffe brodée ou un ruban de couleur, vous saurez que celle-ci est encore... J'ai entendu vierge par là-bas, non. C'est reine, non. C'est célibataire, oui. Mais dès le jour du mariage, c'est la rigueur et la discipline avec le ruban noir. Alors comment fait-on? Eh bien, c'est très facile. On prend les cristaux d'amidon, on les dissout dans l'eau. On trempe la dentelle et on les sort. Et ensuite, on la passe et on la repasse pendant une bonne heure. Et lorsqu'on voit les résultats, eh bien, je pense que ça mérite vos applaudissements. Allez, maintenant, nous allons parler de la couleur de la robe. Lorsqu'elle porte une robe rouge, mais la rouge plus soutenue, une robe bleue, verte ou mauve, mais avec cette fois-ci un galon fleuri, on savait que celle-ci était de religion protestante. Alors comment faisait-on pour savoir si celle-ci était riche ou pauvre? Eh bien, on regardait son tablier. Anita Eving vous présente un tablier broché. C'est un tablier qui est fait mécaniquement et qui était porté par les jeunes filles de la ville. Les bourgeoises qui avaient suffisamment d'argent pour s'offrir un tel tablier. Brigitte vous présente aujourd'hui le tablier brodé. Celui-ci était porté par les paysannes, dit également Pyramite. Yaya. Maintenant, les amis, fini le blabla. Maintenant, regardez dessous. Là, vous êtes d'accord, messieurs. Le jupon des rabroussements. Voilà le jupon. Sa petite broderie anglaise. Répondez-moi en alsacien, les amis. Est-ce que tout le monde voit bien ce jupon? Vous voulez que ça monte, c'est ça, hein? Alors, on monte un petit peu. Allez, hop là. Le panty dit également la culotte. Chers amis, est-ce que tout le monde voit bien ce panty? Voilà. Dernière question pour vous, les amis. Est-ce que vous voulez voir la suite? Yaya, et là, moi, je dis naï. Pour la suite, il faudra inviter nos Alsaciennes à la buvette juste à côté. On les applaudit.